Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Coucou Aurore, bonjour Véronique, les deux Véroniques, Nathalie. Ah, ça y est, ça a l'air de fonctionner. Bah, j'ai recommencé tout mon blabla du coup. Chouette! Coucou tout le monde! Tu peux redire bonjour maintenant. Bonjour. Voilà, bon, super, ça y est, il y a plein de petits cœurs et de petits pouces. Donc, c'est que ça a l'air de fonctionner. Bon, voilà, hein, comme d'habitude. Des petits bugs, mais on arrive toujours à régler le problème. Ah, je vois tous les petits pouces, il y en a plein, 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 super, ça a l'air de fonctionner. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour à tout le monde, donc j'ai cité plein de personnes en début de live, mais du coup vous m'avez pas entendu. Alors j'en suis désolée. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi après-midi, il est 14h, et on se retrouve pour notre live créatif de la semaine. On passera plus de temps ensemble. Bah oui, effectivement, Véronique, bonne idée. Coucou Karine. Coucou Bonjour. Marie-Christine, Marianne, Rachel. C'est bon? Oui, ça a l'air bon. Alors j'ai encore ce fichu bug de commentaire, ça va m'agacer. Alors je vais tout fermer et tout recommencer. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien et que vous êtes aussi heureuse et heureux que nous de vous retrouver aujourd'hui. Je vous disais donc pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous passerez un bon moment. Je vais quand même me présenter. Je suis Harmonie Marais, démonstratrice Stampin' Up depuis janvier 2020. Et aujourd'hui, je suis accompagnée. Ça faisait un petit moment. Je suis accompagnée de ma chère et tendre petite assistante, ma chère Lily. Bonjour. Voilà, on va partager ce live ensemble cet après-midi. Coucou Lydie, coucou Marianique, ça va ma belle? Bonjour Jocelyne, j'espère que vous allez tous et toutes super bien. J'ai un petit peu oublié de publier l'événement samedi. Voilà, donc du coup, il n'y a pas beaucoup de monde qui est au courant de ce live. Si jamais vous voulez partager la vidéo, inviter des amis à partager ce moment avec nous, surtout n'hésitez pas et je vous en remercie. Bonjour. Coucou ma Cécilia. T'as vu, il y a plein de monde qui te dit bonjour. C'est cool, hein? Alors, aujourd'hui, vous le savez, nous allons, vous avez peut-être vu, on va réaliser une carte toute simple, vous allez voir. Coucou Claudine. Oui, presque à quatre mains, si elle a le courage de rester jusqu'au bout, mais elle a beaucoup de travail en fait à rattraper. Donc, on va voir. On va? Ouais, on va voir. Je vais essayer de la garder le plus longtemps possible avec moi. Ça va, elle est passée en rhume et elle est toujours à la maison pour l'instant parce qu'on n'a pas le choix. Alors, image en pause. Oui, alors ça, c'est probablement les problèmes de réseau. Malheureusement, je ne peux rien y faire. Je suis désolée. Je vous propose de vous déconnecter et de vous reconnecter. Parfois, ça fonctionne. Ah, super, Lydie, c'est bon. Claudine, ça va aussi. Oui, ça va, on s'accroche, hein, comme tout le monde, il n'y a pas de raison. Et puis du coup, on est content parce que voilà, on a quand même cette petite bulle là pendant une petite heure. Non. Donc, non, Mumu, toujours positive. On a fait le J plus 5, toujours positive. Voilà, donc elle est toujours là. Bon, c'est les vacances vendredi, donc. Si tu veux plus de moi. Mais non, enfin! Mais je sais que tu commences à trouver le temps long quand même. Ouais. Alors, cette semaine, qu'est-ce que nous avons de nouveau? Vous le savez, la nouvelle collection avec les blends est sortie pour les tons de peau, par exemple, ou pour la colorisation de certains animaux aussi. Bref, toute une gamme de super méga beaux blends qui sont sortis. D'ailleurs, je vais les utiliser aujourd'hui. Nous sommes toujours en période de celebration, donc plein de cadeaux à gagner. Lorsque vous passez vos commandes dès 60 euros d'achat et par tranche de 60 euros d'achat. Attention, on est donc le 2 février, il ne reste que 27 jours pour pouvoir en profiter. Donc surtout, ne tardez pas à vous faire plaisir. Coucou Marie, J plus 7, toujours positive. Ouais, apparemment ça peut durer longtemps. Mais on n'est plus contagieux à J plus 7. Voilà, donc si tout va bien, elle ira à l'école vendredi. Et j'espère que toi, tu vas te remettre très très vite, ma belle.
Donc voilà, ces nouveaux blends, vous allez voir, ils sont juste magiques. C'est exactement ce qui nous manquait pour les colorisations, comme je vous disais, de peau, mais aussi de certains animaux, par exemple. Vraiment, ils vont être géniaux. Et puis, il y a le nouveau kit anniversaire aussi qui est sorti. Donc ça, pour les personnes accro à Stampin' Up. Pour les débutantes, que sais-je encore, ceux ou celles qui n'ont pas beaucoup de place, qui n'ont pas une scrap room dédiée comme... J'ai la chance d'avoir un petit espace qui commence à être bien plein déjà. C'est l'idéal. Vous avez absolument tout dans cette petite boîte pour réaliser plein de belles cartes. Et même les transformer en card shaker, il vous manquera pas grand chose. Donc n'hésitez pas. Ah Mumu, ça y est, tu l'as aussi toi. Coucou Camille, ça va ma belle? Le Je l'ai, non le... Oui, j'ai compris. Le kit anniversaire mon chéri, moi j'attends encore le mien. Il n'est pas encore arrivé, je l'ai commandé mais il n'est pas encore arrivé. Voilà, voilà. Et puis, vous le savez, pendant la Celebration, lorsque vous allez rejoindre mon équipe, Stampin' Up! Vous offre 2 sets de tampons au choix, n'importe lequel, ce que vous voulez, parmi les 2 catalogues en vigueur actuellement. Donc, c'est le top. C'est prévu dans ma prochaine commande. Super, Cécilia. Oui, Laurence, ma belle, il n'y a pas de souci. Va à ton rendez-vous tranquille, il n'y a pas de problème. Mumu, tu l'as reçu. Bon, c'est génial. C'est... top. Voilà, qu'est-ce que j'avais à dire de plus, ma chérie? Est-ce que tu le sais? Ah, je vous attends la semaine prochaine, mercredi à 14h. Le live créatif sera remplacé par l'épisode numéro 2 des portes ouvertes. Ce qui veut dire que je vais encore vous faire découvrir des créations, des produits, mais également vous aurez le deuxième épisode de la chasse au trésor. Donc 10 nouvelles questions au cours de ce live qui durera à peu près 1h30 maximum. Voilà, 10 questions pour gagner de nouveau le set de tampons calme de Camélia, parce que je sais que vous êtes très 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 nombreuses à l'adorer celui-ci. Et comme ce sera la dernière porte ouverte de la SAB, je ne ferai pas gagner un, mais 2 sets de tampons. Ça veut dire que 2 personnes pourront gagner ce set de tampons à l'occasion de la chasse au trésor de la semaine prochaine. Donc on se donne rendez-vous le 9 février à 14h. Voilà, même jour, même heure, comme ça on se trompe pas, pour pouvoir découvrir toutes ces belles nouvelles choses que je vous ai pas encore montrées. Oui, ma Cécilia, pas de problème si t'es pas la semaine prochaine, ma biche. Effectivement, et je te remercie de le souligner, il y aura bien sûr le replay disponible sur la page Facebook, mais également sur YouTube. Donc pas de problème, et je vous laisserai bien sûr quelques jours pour m'envoyer vos réponses à la chasse au trésor, mais on reverra ça mercredi prochain. Alors, coucou ma Cathy, comment tu vas ma bichette? Coucou Sandrine! Ah, bah aujourd'hui on a une Sandrine qui n'est pas Madridrine chérie, mais qui est une Sandrine importante aussi, puisque justement, je vous en parlais tout à l'heure, c'est ma nouvelle filleule qui vient de rejoindre il y a 2 jours mon équipe. Donc elle fait partie de la team Harmony Scrap et je suis contente de l'avoir participé au live aujourd'hui. Camille, tu pourras être là, génial, super, trop bien! Oh Nathalie, écoute, pas de problème, tu vois, il y aura le replay, donc ne t'inquiète pas, tu pourras le revoir et puis tu pourras aussi participer à la chasse au trésor sans problème. Alors, mais la chance est toujours à ma porte, elle rentre jamais sauf pour maman. Oh, ne perds pas espoir, ma routine, ne jamais perdre espoir. Tu verras, un jour ça paiera. Merci pour Sandrine, oui, un nouveau membre dans l'équipe et j'en suis vraiment très très heureuse. J'ai hâte de savoir qui sera la prochaine à nous rejoindre. Allez, je vous propose que l'on passe maintenant à la création de la carte, une carte très simple, originale, avec un petit message, elle s'ouvre un peu partout, on peut mettre des petits mots à l'intérieur, mais encore à l'intérieur, enfin bref, vous allez voir, ça va être quelque chose de... très simple. Je ne fais pas avec toi aujourd'hui, je suis en crêpe partie. Eh bien, écoute, Marie-Christine, je suis tout cœur avec toi. Si j'ai le temps, il est prévu que j'en fasse aussi tout à l'heure. Je lui avais pas dit. La tête. Je le savais, j'en étais sûre. Voilà, si j'ai le temps après les lives, effectivement, ça sera ma prochaine activité. Mais d'abord, je me consacre à vous, à ce live, au replay, à la publication de la fiche technique et tout ça, tout ça. Donc, on verra. Merci Marie-Christine, c'est gentil. On va se régaler après, c'est certain.
Allez-y, je bascule de l'autre côté. Donc, vous voyez la carte aujourd'hui, elle se présente comme ceci. Boukati, bon courage, ma biche. Je te fais plein de grands bisous. Toi aussi? Oui. Ouais, j'en étais sûre. Alors, voilà cette petite carte. Donc, vous avez différentes options possibles, évidemment, pour cette création. Donc, comme vous le voyez, elle s'ouvre comme ceci, donc avec un message à l'intérieur. Tu bailles, ma chérie? C'est bien de te cacher. Voilà. Hop. Et oui, coucou amical est vraiment magnifique. Et une carte basique aussi qui s'ouvre comme ça. Donc, alors, cette ouverture-là, vous n'êtes pas obligé de la faire, bien sûr. Vous pouvez choisir de ne mettre qu'une partie, donc ne pas avoir la partie droite, hein, bien sûr, c'est possible. Et du coup, elle ne s'ouvrira que comme ça et ça fera comme ça. Aujourd'hui, je vais faire le même principe ici que là, hein, mais ça sera à peu près la même chose. Ne vous inquiétez pas. Coucou Nathalie, ça va ma belle? Bonjour Marie-Thérèse. Oui, je sais, il y a des moments ça fait flou, mais ça revient toujours. Voilà. Il faut pas que je la violente trop ma caméra, sinon elle aime pas. Oui, je sais, c'est agaçant. Moi aussi, ça m'agace beaucoup. Alors, celle-ci, je l'ai réalisée, vous voyez, comme l'a dit ma petite Cathy tout à l'heure, avec le magnifique papier design de la Celebration, qui est offert cette fois des 120 euros d'achat. C'est du papier en 30-30. Il est juste magnifique. Il est vraiment trop beau. J'adore ses couleurs pastel. Je vous le présente ici. Vous l'avez donc sous les yeux, recto, verso à chaque fois, donc pour les carrés. Et puis, merci Isa, c'est gentil. Avec les couleurs coordonnées dont on a l'habitude, épinette enivrante, fraisière en fleurs, grenouille guillerette, le noir évidemment, pétale rose et piscine partie. Vous le savez, c'est vraiment ce qu'on adore chez Stampin' Up, c'est que les papiers design sont systématiquement coordonnés avec nos couleurs unies. Donc aucun risque de faire une faute de goût quant aux couleurs. Là, vous êtes tranquille, vous avez tout ce qu'il vous faut. Coucou Louison, comment ça va? Bienvenue! Je suis contente de te revoir là aujourd'hui, c'est top, ça me fait plaisir. Et puis on a le petit poussin là qui est ici, accompagné ici du petit caneton. Et bien là vous avez vu, j'ai utilisé donc le set de tampons Amitié Pascal qui est trop choupinou, j'adore, avec des polices d'écriture aussi très sympa. Alors si j'approche, voilà, vous voyez un petit peu mieux des sentiments en français. Voilà, vous les avez ici. Donc c'est tout ça que j'ai utilisé donc pour faire cette jolie carte. Et donc la base de ma carte ici est bien sûr en fraisière en fleurs, une de nos nouvelles Incolor 2021-2023. Aujourd'hui, coucou Catherine, comment ça va? Bienvenue. Aujourd'hui, on va changer un petit peu de thème, vous allez voir. Et je vous l'ai dit, on va utiliser donc les tout nouveaux blends que j'adore. Et puis des autres aussi, mais voilà, un petit moment de colorisation qui me fait toujours du bien. Ça a un côté thérapeutique pour moi, la colorisation en blends. Ouais, c'est vrai, tu peux te moquer, elle se moque. Mais je vous jure que c'est vrai, ça me détend. J'adore coloriser au blends. En plus, il n'y a jamais de traces, on peut faire des ombres. C'est un vrai bonheur, vraiment. Alors, hop. Je vais mettre ça de côté et on va démarrer. Coucou Fatou, ça va ma belle? Alors, c'est parti, je vais prendre mes papiers. Aujourd'hui donc, je vais travailler avec quand même du papier design, parce que vous l'avez vu, on en a besoin. Et je vais travailler avec Petit Modou. Bah oui, c'est bientôt la Saint-Valentin quand même, hein. Mais vous allez voir qu'on peut aussi détourner ce papier pour d'autres occasions. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc cette collection Petit Modou, elle est au mini catalogue janvier-juin 2022. Donc ça fait partie des celles-ci, je vous l'ai présentées aux premières portes ouvertes. Et vous allez voir, on peut faire plein de belles choses avec. Ici, les coordonnées sont rouge-rouge, pétale rose, tellement safran, grenouille guillerette, piscine partie et horizon de bruyère, des couleurs trop belles que j'adore aussi. Le papier coucou amical est magnifique. Oui, c'est vrai, le papier de la sable, il est vraiment très, très, très beau. Je suis bien d'accord avec toi. Bonjour, bonjour Delphine, bienvenue. Et je vais
l'associer avec, voilà, le set de tampons de la collection qui vient de sortir, qui est accompagné des fameux blends. Donc je vais utiliser ce tampon là. Il est juste trop beau. Voilà, et évidemment on a des découpes avec que je ne vais pas utiliser aujourd'hui, vous allez voir. Ouais, je ne vais pas les utiliser aujourd'hui, mais du coup on va pouvoir, si vous le souhaitez, découper donc les deux mains qui vont former un cœur ici, c'est ce que je vais utiliser pour cette carte là. Et puis les deux aussi qui se tiennent par les petits doigts. Voilà, donc ça c'est ce que je vais utiliser. Hop. Et puis plein d'autres choses aussi avec, je vais vous montrer au fur et à mesure. Pour l'instant, on va démarrer cette fameuse carte. Donc, il vous faut, pour la base de la carte, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, là j'ai décidé de faire le modèle plié en deux. D'accord ? Vous pouvez donc décider de garder simplement une seule face. T'as reçu les papiers hier de Petit Modou, Laurence ? Bon bah super, tu vas pouvoir t'éclater. Alors, ce papier uni, voilà, il mesure 21,4 par 13,8. Ok ? Et tout simplement, on va venir lui faire un pli au centre, et en l'occurrence à 10,7. Voilà, là, absolument rien de compliqué, vous en conviendrez. Pour celles qui sont avec moi pour la première fois aujourd'hui, sachez que si vous n'arrivez pas à suivre pendant le live, pas d'inquiétude, vous retrouverez donc sur mon blog harmoniescrap.fr l'intégralité de ce live, c'est-à-dire la vidéo, la fiche technique et la liste de tous les produits que j'aurai utilisés pour la première carte et pour celle qu'on va réaliser ensemble. Donc vraiment, vous aurez tout le package pour reproduire à votre tour cette création, et puis vous trouverez aussi le replay vidéo sur YouTube, sur la chaîne Harmoniescrap. Voilà, donc pas d'inquiétude, pas de panique si vous n'arrivez pas à suivre pendant le live. Profitez, regardez, et puis vous ferez après si vous le voulez, il n'y a pas de souci. Alors, hop, je vous laisse comme d'habitude le petit post-it ici. Alors là, c'est vraiment très simple, hein, le pli est sur donc le bord long à 10,7. Donc là, rien de compliqué. Coucou Isabelle, ça va ma bichette? Oui ma routine, je sais ma routine. Je sais que tu les aimes mes post-it écrits en noir. Et tu sais que je le fais pour toi. Donc ça sera donc la fameuse base de carte. Ensuite, ce qui va nous intéresser principalement, et c'est ce qui donne en fait tout le cachet de la carte que j'ai perdu. Oh là là. Hop. Oh, coucou ma Clem. Ça va ma chérie? C'est donc le fameux papier design ici auquel on va venir faire des plis ainsi que deux petites coupes. Voilà, ça va être ce qui va vraiment donner la pêche à cette carte, d'accord? Et qui est très facile à faire, vous allez voir. N'hésite pas à répondre aux commentaires si tu les vois plus rapidement que moi, ma chérie. Donc, mon papier uni, pour l'instant, je le mets de côté. Et mon papier design, donc vous le voyez, hein, c'est donc les petits modos que je vais utiliser. Coucou Martine, comment ça va? Ici, il vous faut un morceau de 30,5 par 13,4. Ok? Je vous rapproche. Voilà. 30,5 par 13,4. Et donc, sur celui-ci, on va lui faire, si je dis pas de bêtises, 4 plis. Tu te moques? Non. T'as fini de te moquer? T'es vraiment une hippie, hein? Si, je vais te faire un bisou là avec mon rouge à lèvres, tu vas voir. Je veux mes crêpes. Alors, donc je disais, on va faire 4 plis, des petites découpes ici, et puis le plus difficile, et je pense pas que ce soit le bon mot, mais bon quand même, sera fait. Alors, j'attrape mon coupe-papier et on y va. Oui, ma Clem, ça va, ma chérie? Oui, oui, ça va, ça va. Ta sœur s'ennuyait, donc elle est venue faire le live avec moi. Ok, donc, bonjour Babouchka, bienvenue. Je laisse également le petit post-it ici, voilà. Et donc,
on va venir faire les plis. Donc les plis vont se faire sur le bord long, d'accord? Donc c'est ce qu'on va mettre sur le haut de notre coupe papier, tout simplement. Et donc le premier pli va se faire à 5,1 cm. Merci ma Clem. 5,1. Moi je vais vous abandonner. Tu m'abandonnes? Oui. Oh bah non, pas déjà. Si. Reste encore un peu. Non. 5, attends moi que j'ai fini mes plis. Vas-y. 5,1. Le second à 10,2. 5,1, 10,2. Hop. Ensuite, 20,3. 20,3. Et pour finir, 25,4. Je vais vous répéter les mesures. Lily veut ses crêpes. C'est qu'elle va mieux. Ouais, ouais, t'inquiète. Pour ça. 25,4 pour le dernier pli. Alors, je vous répète les mesures. Ah bah voilà. Oh, merci Cécilia. Cécilia vous les a marquées, les mesures de pli, dans les commentaires. Merci ma bichette. Ok, donc c'est bon. Vous avez tout sous la main. 5,1, 10,2, 20,3 et 25,4. Ok, alors, bon bah tu veux vraiment partir. Si tu pars, je suis pas sûre de te faire des crêpes après. Non, tu fais quand même des crêpes. Je ne sais pas. Mathéo va te les dire aussi. Mathéo, il est parti alors. Ouais, mais après il reviendra pour manger. Bon allez, file. Merci, au revoir. Attends, ouais, ok. Alors maintenant qu'on a fait nos 4 plis, il va falloir donc couper nos diagonales, d'accord? Donc vous voyez ici, on va s'intéresser là au premier pli, d'accord? Donc on a 1, 2, 3 et 4 plis là, donc on va toujours s'arrêter au premier, à gauche et à droite. Donc pour cela, on va simplement venir se faire une petite marque à gauche et une petite marque à droite à 5,7 cm depuis le haut vers le bas. Ok? Vraiment pas compliqué. Et ensuite, il suffira simplement de découper la diagonale. Ok? Donc vraiment pas compliqué. Donc je considère que le haut de ma carte, est à droite. Donc depuis le haut vers le bas, je me fais une marque à 5,7 cm. Je retourne mon papier, je fais la même chose. Ok, donc depuis le haut vers le bas. Et je me fais une petite marque à 5,7. Toc. Voilà. Celles qui sont très à l'aise peuvent prendre leur coupe-papier et venir découper la diagonale. Donc de ce point-ci, en s'arrêtant donc au premier pli que nous avons fait. D'accord? Tout simplement une diagonale. Et idem sur la partie droite. Celles qui débutent et qui ne se sentent pas très à l'aise, tout simplement, il vous suffit de tracer votre diagonale et de la découper au ciseau, comme vous le sentez. Alors, je vais le faire comme ça, hop, pour aider les débutantes et leur donner une idée. Coucou Corinne, ça va ma belle? Voilà. Toc. Et quand on va couper, on ne va pas jeter les petits triangles qui sont là. On va les réutiliser. Vous avez vu, c'est ce que j'ai fait avec ma carte ici. Ces petits triangles qui sont ici en bas, eh ben, ils viennent en fait de là. Donc je vais les recoller par-dessus. Voilà, comme ça, ça donne une impression un petit peu de plongée, vous avez vu. On a l'impression que le verre est en profondeur et que celui-ci est par-dessus, mais qu'il ne fait qu'un avec ce duo. C'est assez sympa. Béatrice, t'as reçu ta commande, Béatrice? Ah, comme je suis contente! Et toi aussi, tu dois être contente. Corinne, bloquée avec un bon torticolis. Oh, je suis vraiment désolée. Jocelyne, au revoir Lily. Oui, je vais lui dire. Je lui dirai, vous êtes gentille, merci beaucoup. Ok, allez, je viens couper ça. Voilà.
Alors, quand on a fait les traits au crayon, on n'oublie pas après de venir les effacer, bien sûr. Hop. Voilà. Hop. Coucou Josie, comment ça va? Donc, je garde mes petits triangles. Je viens gommer mes petites traces qui seraient susceptibles d'être toujours visibles parce que franchement, c'est pas très très esthétique, hein, on est d'accord. Voilà. Hop. Et bien sûr, je viens de gribouiller mon papier. Extraordinaire, bravo Harmonie. Bon, vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Là, on a fait le plus dur en fait. Alors, mes petits triangles. Voilà. Donc, notre papier va venir comme si. Je vais regarder, je regarderai, j'ai perdu le fil. Louison, il n'y a aucun souci. Pas de problème. Hop, voilà. Je viens marquer mes plis, je vais vous montrer. Montagne, vallée, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Voilà ce que vous allez obtenir donc avec votre papier design. Donc on est en montagne, vallée, vallée, montagne. Ok. Donc quand la carte est posée, ça va venir comme ceci. Dac. Donc comme ça c'est fait, on insiste bien pour aider le papier à prendre les formes. Et du coup, comme je vous disais, hop, je vais venir coller mes triangles correctement. Voilà. Je vais venir les coller comme ça, par-dessus, sur le bas. Alors, coucou Claude, comment ça va? Gros bisous ma Laurence, bon courage pour ton rendez-vous, je t'embrasse fort fort fort. Béatrice, j'ai survécu à ma bronchite et je vais faire des crêpes tout à l'heure pour en profiter. Tu as bien raison. Profite. Hop. Oula. C'est un tube neuf. On le voit. Allez, je colle ça tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Ça m'évitera de les perdre. Ça serait dommage. Voilà. Bien au bord. Toc. Et je vais mettre le deuxième. Bon, vous avez vu, c'est pas très très compliqué. Hein. Voilà. Toc. Ok. Ça, c'est bon. Donc, cette partie de papier design, donc je vous rappelle ma base de cartes ici, elle va venir se coller, hop, ici, à l'avant. Ça, je peux sans problème le faire dès maintenant. Donc, je viens mettre de la colle à l'arrière. Hop. Et je viens le coller à l'avant de ma carte. On fait attention que ce soit bien centré. Hein, c'est quand même plus joli. Voilà. Merci Béatrice. Ok, déjà, vous voyez, ça prend déjà tournure tout ça. Sur ma carte originale, vous avez vu, j'avais pris donc un carré, enfin deux, un en fraisia aux fleurs et un en blanc. Aujourd'hui, j'ai décidé que ce serait en rond. Voilà, mais du coup, vous allez voir que c'est tout à fait possible. Donc faites-vous plaisir, le carré n'est absolument pas obligatoire. Du coup, je n'ai pas les mesures des carrés au cas où, mais peut-être que je les ai là. Il mesure 7 par 7, voilà. Donc, mon carré, si vous voulez faire exactement la même chose, mon carré ici mesure 7 par 7 pour le matage, et le blanc simplement 6,5 par 6,5. Donc, c'est là que j'ai tamponné mon petit poussin. Je vous répète, le carré ici mesure 7 par 7, et le blanc mesure 6,5 par 6,5. Aujourd'hui, je vous le disais, je pars sur du rouge et sur du rond. Non, je ne vous ai pas dit pour le rouge, je vous ai juste dit pour le rond. Donc, je pars sur une découpe ronde. Voilà.
Le papier cœur, oui, c'est la collection Petit Mot Doux. Il est vraiment trop mignon. Voilà. Et du coup, je vais mettre un rond blanc par-dessus, comme ceci. Et je vous disais que j'allais travailler donc avec les jolies petites mains. Et pour cela, tout simplement, je vais utiliser autre chose. Donc, je ne vais pas tamponner directement sur mon rond blanc. D'ailleurs, je vais le couper tout de suite, le coller, pardon. Voilà, comme ça. Comme je sais que je n'ai pas à tamponner dessus, je peux le coller tout de suite. Oui, ça change un peu le rond, hein. Voilà, on s'amuse. Hop. Donc ça, je ne vais pas tamponner dessus, je peux le coller tout de suite et il viendra ici. Et donc, je vous disais, je vais tout simplement, hop, utiliser. Donc, je vais prendre mon Stamparatus. J'ai déjà préparé. Donc, vous voyez, ça, c'est le tamponnage du set de tampons que je vous ai montré tout à l'heure. Hop. Et je vais en fait utiliser donc un petit cœur qui lui vient du plioir de gaufrage hybride bouquet d'amour. Et dedans, on a la découpe du cœur qui est trop beau. Voilà, qui est assez grand. Donc ça, c'est tout un lot avec un plioir d'embossage et qui découpe également. Vous voyez, il est juste magnifique. Mais là, aujourd'hui, je vais simplement me servir donc de la découpe du cœur que j'ai déjà découpé, bien sûr. Et je vais venir directement tamponner donc mes petites mains sur le cœur. Et après, je vais utiliser mes blends et vous allez voir comment. Oui, c'est possible, ma petite Béatrice, tu sais, c'est possible. Je prends l'encre indispensable à la colorisation des blends. Surtout, ne jamais utiliser la Stazone ou une autre encre avec pour utiliser les feutres à alcool, sinon ça va tout baver partout, c'est très très moche. Ok? Donc, la Memento idéale pour la colorisation en blends. Donc, tout simplement, voilà, je vais venir tamponner mes belles mains qui font un cœur au centre. Voilà. Donc, l'avantage avec le Stamparatus, c'est que si j'ai pas assez d'encre, je peux réancrer sans problème. Voilà, ça c'est parfait. Et du coup, maintenant, je vais venir coloriser. Je vais vous montrer tout de suite. On peut mettre plein de formes finalement. Exactement, ça change complètement. Ça donne une autre vision de la carte et c'est très sympa. Hop, donc là, je vais prendre ça. Je mets ça de côté. Toc. Je vais juste nettoyer mon encre tout de suite. Voilà, pour pas que s'attache mon tampon. Hop. Et je le rangerai après. Alors, ici, vous avez vu, ça donne bien, hein? Ça fait joli, hein? Le Stamparatus, c'est l'idéal. Ouais, c'est top en fait, parce que du coup, si on a mal appuyé, s'il nous manque un peu d'encre et tout, on peut tout de suite réancrer et on est tranquille pour pas recouper et tout recommencer à zéro. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Coucou Viviane, ça va ma belle? C'est un petit bijou le Stamparatus, ouais, je suis tout à fait d'accord. Alors, là pour le coup, vous allez voir que si je le laisse blanc, ben, ça fait fade et que du coup je vois pas mon cœur. Eh bien, tout simplement, je vais m'amuser avec mes blends. Et pour cela, donc là sur mon papier de matage, je suis sur le rouge rouge. Eh bien, du coup, je vais utiliser tout simplement mes blends rouge rouge, le clair et le foncé pour coloriser l'intégralité de mon cœur, extérieur et intérieur des mains. D'accord? Coucou Muriel, ça va ma belle? Hello Mionique. Donc je vais coloriser mon cœur en rouge pour le faire ressortir quand il va être collé sur mon rond blanc, tout simplement. Et puis je vais ensuite venir coloriser les belles mains avec les nouveaux blends. Coucou Marie-Thérèse, comment ça va? Alors je prends mon blends rouge rouge clair et je viens tout simplement coloriser donc mon joli cœur. Du coup, il va bien ressortir sur mon rond blanc. Ça, j'adore.
C'est un vrai bonheur. Ça glisse tout seul, j'adore. Hop. Ça va tout seul. Il n'y a pas de trace de crayon, c'est juste magique. Voilà. Ensuite, je viendrai simplement le coller donc sur mon rond blanc, mais avec des dimensionnales, la mousse 3D. Voilà. Pour le rehausser un petit peu. Tac. Ça va vraiment tout seul. Puis avec la pointe pinceau, en plus, c'est très large. Donc, c'est hyper rapide. J'adore ça. Voilà. Donc là, j'étais avec le clair. Toc. Je vais lui donner un peu de relief avec le foncé. Vous avez vu, déjà, je vois à l'image, ça ressort. J'ai oublié de faire l'intérieur. Hop. Comme ça, je vais coloriser le cœur qui est formé donc par les deux mains. Voilà. Donc toujours avec mon clair là. Et maintenant je vais donner un petit peu d'ombre avec le foncé. Donc là on décide un peu. Donc, je vais faire carrément le cœur central beaucoup plus foncé. Voilà. Pour qu'il ressorte un peu plus par rapport au reste. J'adore. Ça vous plaît? Hop, et puis je vais donner un petit peu d'ombre autour des mains. Voilà. Donc je vais juste passer autour. Tout simplement. Et après, je vais revenir mélanger très légèrement avec mon clair pour limiter l'accentuation. Voilà. Je retourne. Merci Isabelle. Je suis contente que ça te plaise. Attends la suite, tu vas voir. Voilà. Et du coup, en réutilisant le clair, je viens le mélanger avec le foncé. Voilà. Du coup, l'ombre est toujours présente, mais la démarcation est beaucoup plus jolie. Et puis, on peut revenir mettre du foncé si vous préférez, si ça vous plaît plus. Voilà. Ok, donc là, on a le petit cœur qui est colorisé, ça y est. Louison, ça te plaît aussi? Oui, non, mais c'est tellement satisfaisant. Elle se moquait de moi, la chipie, tout à l'heure, là. Mais je vous assure que c'est un vrai bonheur, la colorisation en Blends. Alors, pour la colorisation des mains, je vous disais tout à l'heure, on a plein de nouveaux Blends. Regardez. Pour les tons de peau. Ou d'animaux, entre autres. Et ils sont juste magiques. Ils portent tous des noms différents. Donc là, je vous avais proposé jusqu'à dimanche dernier des petites choses pour compléter vos blends, notamment des petites étiquettes. Voilà, donc celles qui les ont commandées vont bientôt les recevoir. Et du coup, on a vraiment une gamme qui va du plus clair au plus foncé et on peut s'éclater avec ça. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser pâle moyen en clair et foncé. Donc, pour coloriser les belles mains. Voilà, je vais décaler ça. Hop, donc même principe en fait. Je vais d'abord coloriser en clair. Voilà. Donc là, avec la Memento, on est tranquille, on peut y aller. Ça ne bave pas. Toc. Donc le clair. Voilà. Et puis après, avec le pâle moyen foncé, je vais venir accentuer tout bêtement à certains endroits de la main. Hop. Voilà. C'est trop beau. Ça ressort bien, hein? Coucou Anita, coucou Dominique, comment ça va? Et donc avec le plus foncé, eh ben du coup, je vais donner de l'ombre ici, voilà, comme ça, ici au niveau des phalanges, et puis là, hop, comme ça, et puis un petit peu aux extrémités du cœur, hop, et je vais revenir avec mon clair pour faire ce petit mélange, voilà,
Et du coup, c'est top. Voilà. On peut ombrer. C'est vraiment trop beau. Et vous pouvez, comme je vous le disais, repasser un petit peu de foncé si ça vous dit. Si vous trouvez que ce n'est pas assez accentué, je reprends le foncé. Hop. Et je peux redonner juste un petit coup. Très léger. De clair. Et voilà. Vous comprenez pourquoi j'aime ça? Vous avez vu comme c'est joli tout plein? Du coup, ça va ressortir beaucoup, beaucoup plus. Hop. Sur mon rond blanc. C'est vraiment très, très joli. J'adore. Voilà. C'est vraiment top. Bon, alors bah maintenant, tout simplement, je vais coller mon cœur, comme je vous disais, avec les dimensionnels ici. Toc. Donc directement. Voilà. Je vais en mettre plusieurs comme ça. Ah, lui, il est déjà sauvé. Hop. Et ensuite, je vais venir donc coller les cercles sur la partie gauche. Alors, je dis la partie gauche parce que je suis droitière. Mais vous pouvez très bien coller sur la partie droite, hein, évidemment. Voilà, je vais le centrer. Toc. Donc, on va coller simplement sur une moitié du cercle, hein, n'oubliez pas. Ok. Merci beaucoup. Ah, je suis contente que ça vous plaise, vraiment. Du coup, je vais venir donc coller. Donc, moi, j'ai décidé de coller sur la partie gauche, mais vous pouvez coller sur la partie droite si vous voulez. Ok. On n'oublie pas, on ne met de la colle ou du double face que, je vais faire un peu de place, que sur une moitié du cercle. Et pas surtout, sinon, bah, vous ne pourrez plus ouvrir votre carte. Je sais, ça peut paraître bête, mais un moment d'inattention et on est embêté. Et du coup, on est, moi là, je vais essayer de centrer. Je vais faire attention de centrer hop, par rapport au pli de mon cœur. Voilà, donc je vais me baser là. Hop. Et je vais venir coller donc juste la moitié de mon cercle sur le papier design directement. Ah, chouette, je suis contente, vraiment ravie que ça vous plaise. Ok, voilà. Toc. Comme ceci. Ouais, ça donne super bien. Alors, il nous reste quelques morceaux de papier à coller. Ici, donc vous aviez vu sur la première à l'intérieur, hein, j'ai donc mis du papier blanc sur mon papier design avec un petit message. Donc ça, bien sûr, je l'ai évidemment préparé aussi. Donc, pour l'intérieur, le papier blanc qui va ici, il vous faut donc un morceau de papier blanc au choix. Hein, vous pouvez ou sinon mettre un autre papier design ou un papier de couleur. De 12,3 par 9,2. 12,3 par 9,2. Donc lui, il vient à l'intérieur. Hop, je vous remets ça ici. Et donc, j'ai déjà préparé le tamponnage et le sentiment pour pas vous faire perdre non plus trop de temps. Donc, j'ai réutilisé le beau sentiment qui est donc dans Amitié Pascal. Et puis, j'ai rajouté un petit mot, joyeux anniversaire. Donc, c'était aussi donc pour vous montrer que la collection Petits mots doux qui peut, de fait, être attribuée à la Saint-Valentin, aux amoureux, peut aussi être attribuée à des amis aussi. Hein, on est bien d'accord, puisque du coup, là, c'est quand même... Voilà, c'est aussi, vous avez sûrement déjà vu beaucoup d'ados faire ce petit signe du cœur, là, voilà. Donc, voilà. Ah, Hélène, trop gentille. Début en replay, obligé, trop joli. Ça, c'est adorable. Merci beaucoup, Hélène. Donc, mon papier ici, donc je l'ai déjà tamponné. Les petits cœurs ici, par contre, ils viennent du set de tampons qui est coordonné à Petits mots doux. Voilà. Ce sont les petits cœurs qui sont là, que j'ai tamponné simplement à plusieurs reprises sur le bas de mon papier et toujours en rouge-rouge. Ok, donc je viens le coller. Hop. Voilà, voilà. Je viens coller ça ici. Donc au centre. Donc vous l'aurez probablement constaté, la base de la carte n'est pas tout à fait à quelques minutes près les tailles standards, mais ça rentre dans une enveloppe, donc pas de panique.
Voilà, donc là on a le petit message caché à l'intérieur. Quand la personne va recevoir la carte, elle va avoir ce beau petit mot avec le petit cœur, comme ceci. Et donc à l'intérieur, puisque du coup il nous faut quand même un petit peu de place pour écrire le mot, un autre morceau de papier blanc, qui lui est un peu plus grand. Il mesure 13,3 par 10,2. D'accord ? Celui-ci vient à l'intérieur de la base de la carte. Une carte pleine d'amour. Oui, Cécilia, je suis bien d'accord. Exactement. Que ce soit pour un amoureux, une amoureuse ou une amie qui nous est chère, c'est parfait. Donc tout simplement, voilà, un petit morceau de papier blanc pour avoir la place d'écrire notre message. On peut aussi tout à fait rajouter quelques petits tamponnages si on a envie de se faire plaisir, ou une bande de morceaux de papier design aussi, bien sûr, pour décorer l'intérieur. Il me manque une petite touche et je vais rajouter des petits ornements. Hop. Et pour cela, je vais prendre mes... C'est pas la bonne boîte, mais c'est pas grave, c'est les points noirs mat. Et non pas les perles classiques. Ils n'ont pas été remis au bon endroit. Alors, hâte de regarder très bien pour... Muriel, tu vas voir, c'est super simple à faire, ma belle. Alors, voilà. Juste une petite touche comme ça. Alors. Qu'est-ce que ça donne là? Voilà. Même à nos enfants et petits-enfants. Oui, Hélène, tu as tout à fait raison. Je suis bien d'accord. Ok, et puis, je vais en mettre une autre ici. Hop. Et une autre là. Voilà. Et ben voilà, ça y est, on a fini notre carte. Vous avez vu, c'est super simple. Super simple, et en plus, on peut s'amuser à passer du temps à faire la déco, la colorisation. On a une base de carte finalement qui est très originale, qui change un petit peu de la carte classique qui s'ouvre en deux, avec le petit côté ici diagonal, ici avec notre cercle et notre petit cœur, ou avec le carré que je vais vous remontrer. Voilà, on a vraiment vraiment de quoi s'éclater et de faire plein de choses différentes. Donc on a la version, alors je vais enlever ça pour que vous puissiez avoir une meilleure visibilité, hop, avec Coucou Amical pour le papier design et Amitié Pascal pour les tamponnages ici, qui sont trop choux, tout doux, tout pastel, et puis Amour, Amitié, donc, avec la collection Petits mots doux, avec nos génialissimes nouveaux blends que j'adore, que dont je suis absolument fan, avec le set de tampons qui est accompagné. Vous voyez que même si une collection complète regroupe le papier, les tampons, les poinçons, on peut aussi s'amuser à tout mélanger, hein, comme je l'ai fait moi. Normalement, il y a un set de tampons par exemple qui est avec Coucou Amical, mais du coup pas du tout utiliser ça. Donc c'est possible, on peut s'amuser à, voilà, faire des variantes, à mélanger les papiers, les sets de tampons. Il y en a plein qui peuvent aller ensemble, qui se coordonnent finalement, hein, comme celui-ci, voilà, que j'ai ajouté à Petits mots doux. Vraiment, ne vous bloquez pas, faites-vous plaisir. Voilà, je ne sais pas laquelle vous préférez, ah, même moi j'ai du mal à savoir laquelle me plaît le plus. Voilà, bon, après vous me direz, hein, ce sont des thèmes un petit peu différents, je vous l'accorde, mais c'est assez sympa, voilà, voilà. Oui Muriel, ne t'inquiète pas, c'est très gentil, elle est toujours à la maison, s'est transformée en rhume, mais elle va mieux, merci beaucoup. Oh Fabienne, tu arrives à la fin, mais bien sûr, ne t'inquiète pas, tu pourras voir le replay avec grand plaisir. Gros bisous ma mumu, je t'embrasse très très fort, merci Cécilia. Petite préférence pour toi, pour celle d'aujourd'hui. Ok, donc la rouge. Hélène, magnifique les deux. Merci pour ce partage, avec grand plaisir Hélène. Merci Jocelyne, je te souhaite une bonne après-midi. Louison également, bonne après-midi. Les deux ont leur style, pas évident de choisir. Ouais, je suis assez d'accord Muriel, moi j'ai du mal. Coucou Evelyne, je t'avais pas vue. Avec plaisir Isa.
J'espère que tu vas bien. Louison, t'aimes les deux, bon c'est parfait. Ça veut dire que du coup, ça vous a plu et j'espère vraiment, vraiment voir... Merci Marie-Christine, c'est adorable. Merci pour les étoiles. Gros bisous Rachel. J'espère sincèrement que vous aurez en tout cas passé un bon moment. J'espère voir vos créations, hein, surtout montrez-les-moi. Avec, si vous les publiez, rajoutez le hashtag HarmonyScrap. Du coup, tout simplement, Facebook m'envoie une notification et ça me permet d'aller voir, commenter, liker aussi vos propres créations. Isabelle, tu préfères les cœurs? Ok, super, merci Sandrine. Donc n'hésitez pas, hein, partagez-les, vos créations, que je puisse les voir, les liker, les commenter. Faites-moi plaisir, faites-moi ce petit partage, d'accord? Et puis donc, voilà, vous le savez, vous en avez l'habitude maintenant. Le temps simplement de faire, bien sûr, le téléchargement, l'article de blog, etc. Tout ça, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour réaliser ces petites cartes à votre tour. Coucou Myriam. Oui, en replay, il n'y a pas de souci, bien sûr, bien sûr. Merci Monique, c'est gentil. Merci beaucoup. Coucou Virginie, je suis désolée ma belle, t'arrives à la fin, il faudra que tu regardes le replay. Les cœurs pour Nathalie. Bon, je suis contente, ça a l'air de vous avoir plu. C'est un vrai bonheur pour moi. N'oubliez pas, 27 jours avant la fin de la Celebration, je vous attends pour rejoindre mon équipe. Et puis on se donne rendez-vous donc mercredi prochain, le 9 février à 14h, pour l'épisode numéro 2. Des portes ouvertes virtuelles et on part à la découverte du mini catalogue avec aussi des conseils de montage aussi par exemple, vous verrez. Et puis l'épisode numéro 2 aussi de la chasse au trésor et cette fois-ci il n'y aura pas une mais deux gagnantes pour le tirage donc, parmi les bonnes réponses. Je vous explique tout ça la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une bonne après-midi. Bon appétit pour les gourmands qui vont manger quelques petites crêpes. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour les portes ouvertes. Et puis après, on continuera nos lives créatifs, bien sûr. Je vous embrasse fort. Bel après-midi à tous et à toutes. Merci de m'avoir suivi. Je sais que Lily vous embrasse tous et toutes aussi pour vos petits messages. Et donc, je vous dis... eh bien, à la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde.